Bonjour Isabelle. Qu'est-ce qui vous amène ici Qu'est-ce que vous voulez voir changer qui serait bon pour vous Bonjour. Je dors difficilement. J'ai des maux de tête et de très fortes angoisses. Des peurs, depuis que j'ai subi un accident de voiture, quand un chauffard a percuté ma voiture. Je n'ose plus prendre ma voiture. Je suis en insécurité, impuissante. Je me sens seule dans ces moments-là. J'ai pleinement conscience qu'il n'y a pas de raison, car cet accident est arrivé il y a trois ans. J'ai fait différents types de thérapies verbales, qui m'ont fait comprendre beaucoup de choses, mais je suis toujours dans cette peur irrationnelle que je ressens en moi. Je suis en état d'alerte pour tout. Je reste chez moi, je ne peux plus conduire. Mais aussi, j'ai toujours été angoissée depuis mon enfance, sans raison apparente. Quand vous y pensez, cette charge émotionnelle qui vous active, vous la mettez à combien sur une échelle de 0 à 10, et où est-ce qu'elle vous affecte le plus en vous, dans votre corps Ma peur est à 8 sur 10. C'est faux, car elle a 12. Ça m'étouffe. J'ai des tensions, des douleurs dans les épaules et le plexus noué. Tu es nul et pitoyable. Tu ne réussiras jamais à. Tu es seule comme une idiote. Je remarque aussi maintenant que vos yeux se dirigent à gauche et un peu en haut. C'est de ta faute, comme d'habitude. Il y avait d'autres rues pour aller au même endroit. Tu es incapable. Personne ne t'aimera. Vous êtes bien courageuse d'avoir supporté tout cela pendant trois ans. Vous n'êtes pas coupable, c'est la faute de ce chauffard, car c'est lui qui n'a pas respecté le feu rouge. Je comprends que vous y ayez toujours peur, même encore actuellement. Oui, c'est vrai. Enfin un professionnel qui t'a compris. Tu as bien fait de venir, et de ne pas écouter ceux qui t'agressent. Tu n'as plus besoin de culpabiliser. Comme maman te faisait culpabiliser. Personne ne m'écoute, personne ne m'aime. Je veux des bonbons et du chocolat. Cela va me faire du bien. <laughs> Je remarque que vos yeux se dirigent à droite et un peu en bas. Je comprends bien que votre envie compulsive de chocolat et gâteau vous aide et vous régule en vous apaisant. C'est comme votre propre médicament anti-angoisse. Oui, c'est tout à fait cela. Mais j'arrive pas à contrôler. Je ne veux pas grossir. Je vous propose une thérapie avec le brain spotting pour vous et les différentes parties de vous qui souffrent. Et je pense que je peux vous apprendre à vous en libérer de cette souffrance du passé pour que vous puissiez conduire votre vie, car maintenant nous sommes en 2021. Ah, bravo Il a compris. Tu as bien fait de venir. Il a l'air plein d'expérience. Je ne suis pas sûre par tout de suite, car cela sera encore pareil, comme avec toutes tes séances de psychanalyse et de TTC. C'est pas vrai, la 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 l'air. C'est pas vrai, la 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 l'air. Je vais enfin pouvoir m'amuser, être joyeuse et libre. La direction de votre regard affecte comment vous vous ressentez. Le BSP est principalement une thérapeutique sous-corticale. Le praticien aura auparavant dispensé de la psychoéducation à son patient sur le cerveau et la physiologie de base. Le praticien demandera à la patiente de se focaliser sur l'extrémité de la baguette. Lorsque le spot de cette localisation correspondant à sa problématique, événement traumatique, sera trouvé, la patiente se focalisera sur l'activation de son réseau neuronal tout en étant assise dans le cabinet de consultation. Certaines scènes récentes ou du passé peuvent émerger. Celles qui étaient restées bloquées dans le temps du trauma peuvent venir sous différentes formes à la surface. Images, sons, sensations. Jusqu'à un moment très précoce de la vie du patient, ceci n'étant jamais venu à sa conscience jusqu'à ce jour. Laissez venir spontanément ce qui vient, comme pensées, images, sentiments, souvenirs d'autrefois, sensations corporelles, sans chercher à maîtriser ni contrôler, sans vouloir vous détendre ni aider le processus, sans réagir à vos réactions. Sur une échelle de 0 à 10, votre activation se trouve à combien 8. Et où le ressentez-vous le plus dans votre corps au plexus. C'est une grosse boule. Je vais vous demander de suivre le pointeur, qui va se déplacer lentement à l'horizontale de vos yeux, de gauche à droite, et je m'arrêterai sur le point, qui s'active le plus. Oui, c'est là. Très bien. Laissez venir ce qui vient spontanément, sans chercher à faire ou à contrôler et maîtriser, ou même à aider le processus, sans interpréter. Ne cherchez pas à réagir à vos réactions. Allez avec ça et voyez où ça vous mène. Je ne comprends pas. L'angoisse a diminué. J'ai vu différentes scènes de ma vie très rapidement, où j'ai subi des chocs et des agressions. Il vient de me revenir en mémoire un moment de mon enfance à dix ans, où j'ai été agressée par des écolières méchantes et un garçon qui a voulu me tripoter. Très bien, continuez avec ça. Je ressens le relâchement, et mon corps est détendu maintenant. Quand vous ressentez cette détente, votre esprit est comment maintenant Mon esprit est léger. Je me sens apaisé. Et si bizarre, je n'ai plus mal à la tête. Quand vous ressentez cet apaisement et que votre corps est détendu, est-ce que vous vous sentez plus en sécurité en vous maintenant Oh oui. Cela me fait bizarre cette nouvelle sensation. Prenez bien le temps de ressentir vos sensations que votre corps ressent et continuez avec ça. Lors de ce travail, en utilisant le modèle de la dissociation structurelle de la personnalité en BSP, il sera indispensable de considérer que pendant toute la durée du travail, l'activation et l'intégration se feront simultanément et de manière non cognitive. Le patient pourra exprimer son changement après ces différentes activations ou verbaliser la détente et le relâchement à l'intérieur de son corps. Il y aura aussi un apaisement de ses pensées. Ceci en pleine conscience dans l'instant présent afin de faciliter l'intégration.